Good morning, allez Iden, les chutes aujourd'hui de l'Unishmat, François Vajé Ben Chana, Janine Ruth, Batvorfé de Mazal Fitna, Claude Shlomo Ben Shalom et Ishayo Ben Linda. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel, nous étudions Maserhet Pea, Perek Aleph, Mishnah Gimel. Notnin Pea mitrilat asade, ou me emtsa'a. Rabbi Shimon Omer, ou bilvad shiten basov kashiur. Rabbi Yuda Omer, im shir kelachichad, somech lo mishum Pea. On a un sujet essentiel dans notre Mishnah, c'est de savoir à quel moment faut-il donner la PA. D'accord? On va avoir trois avis, mais avant de donner les trois avis, je vais vous apporter d'abord une petite introduction un peu annexe, mais qui est nécessaire pour tout comprendre après d'un coup. À savoir, vous savez bien que quand on a des fruits dans un champ, lorsqu'on va cueillir les fruits, alors on a le devoir de prélever toutes sortes de prélèvements. Trouma Gdola, Maaser Rishon, Maaser Sheni, Maaser Ani, après Trumat Maaser, d'accord, il y a toute une série de prélèvements. Maintenant, lorsque je laisse la PA, eh bien, lorsque je laisse la PA, d'accord, c'est les fruits de la PA eux-mêmes sont dispensés de tous ces prélèvements. Parce que c'est eux-mêmes un don qu'il faut faire pour les pauvres. Donc, c'est pas un don, ce don-là qu'on fait pour les pauvres, il n'est pas imposable, d'accord? Vous avez compris? Donc, moi, pour le moment, j'ai mon champ, je vais prendre 59 soixantièmes pour moi. Moi, lorsque je vais cueillir les fruits, je vais prélever tout mon masrot, mais lorsque je laisse le 60e supplémentaire pour les pauvres, donc les pauvres, ils vont cueillir les fruits, ils n'ont pas besoin de prélever la PA, parce que c'est en soi-même un prélèvement à donner, et là, un prélèvement, il n'a pas imposé dans un prélèvement. Sauf une exception, le masrot, c'est un peu spécial. En général, d'accord? Lorsque tu prends le maaser ani, tu donnes au pauvre, il ne doit pas prélever. Lorsque tu donnes le maaser sheni à Yerushalayim, il n'y a pas de prélèvement supplémentaire. D'accord? Maintenant, ça c'est une première pré-introduction. Il y a à part ça, une autre halakha qu'il faut savoir aussi, c'est que si jamais je me lève un matin et j'ai mon champ que je n'ai pas encore cueilli, je dis allez, je suis mafkir mon champ, je retire ma propriété sur les fruits, que tout le monde peut venir cueillir ces fruits-là, les pauvres comme les riches, tout le monde. Eh bien, ces fruits-là aussi, ils sont, puisqu'ils sont devenus hefker, il n'y a plus de propriété sur eux, et alors maintenant, ces fruits-là ne sont plus imposables de Troumot ou Massot du tout. La raison, c'est déduit d'un pasouk, qui est écrit dans la paracha de Ouvrier, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, « Ou bas, allez vivre et à guerre, ou bas, allez vivre à cher » Là, j'ai oublié le passage que je ne connais plus par cœur là, tout de suite. Mais en tout cas, c'est un passage qui me dit que lorsque tu cueilleras tes fruits, alors, lorsque viendra le Lévi et le Guerre, tu leur donneras leur part. Mais si j'ai un champ que même le Lévi et le Guerre, il peut aussi venir lui-même tout récolter pour lui-même, il n'est plus un champ qui est imposable de Troumotomas. Vous avez compris l'idée? Soit, ce qui t'appartient, c'est à toi, bravo, c'est à toi, donc tu donnes une part. Mais ce qui appartient à tout le monde, et même aux Lévi'im, et même aux pauvres, et même aux convertis, et même à tout le monde, à toutes sortes de personnes, tout le monde peut venir prendre la même chose. Dans ce cas-là, c'est plus des fruits qui sont posables, donc même si j'ai mon voisin qui a été mafkir son champ, et moi je vais le lendemain, je suis le premier, je cueille tout, c'est des fruits qui ne sont pas imposables de tomber parce que c'est des fruits qui sont hefker, en deux mots. D'accord? Donc je vous introduis deux introductions annexes, qui sont un peu liées, en partiellement, mais pas complètement. Soit la PA, qu'on laisse, elle n'est pas imposable de Troumot ou Maasrot. Et aussi, les fruits que je veux faire, Efker, que je vais retirer toute propriété d'eux, eh bien, ils ne sont pas aussi imposables de Troumot ou Maasrot. Mais attention, si toutefois, je ne veux pas rendre Efker mes fruits, je ne vais pas permettre à tout le monde de les prendre, mais juste pour les pauvres. Tous les pauvres, ils ont le droit de venir, mais les riches, ils n'ont pas le droit de venir prendre. C'est quoi un pauvre? C'est celui qui touche moins que 3000 shekels par mois. D'accord? Tous ceux qui touchent moins de l'argent, ils ont le droit de venir. Ici, je rends mes fruits comme ça, je donne à quiconque qui touche moins de 3000 shekels par mois, il pourra venir prendre ses fruits. C'est pas un FKR, parce que quand tu fais un FKR, c'est que tu supprimes totalement ta propriété. Mais puisque là, c'est une propriété qui n'a pas été supprimée totalement face à tout le monde, donc c'est pas un FKR. Du coup, si jamais, maintenant je vais dans une situation spéciale, si je me retrouve dans une situation où j'ai des fruits que j'ai dit, je les laisse pour les pauvres, mais ils n'ont pas un statut de PA, ce sont des fruits qui sont imposables de Troumot ou Maasrot. Vous avez compris pourquoi? Imaginez que par exemple, c'est un endroit où il ne faut pas laisser la PA, je ne suis pas imposable de PA, mais je dis, allez, je vais faire comme si c'est une PA, mais ce n'est pas une vraie PA. Ce n'est pas un coin qu'il faut laisser pour le pauvre, ce n'est pas imposable de la sorte.
tu fais pas bien la mise de la plaie, tu laisses pour les fruits. Les, si les pauvres ils vont venir cueillir ces fruits, ils devront aussi prélever tout le monde. Parce que ces fruits-là, ils appartiennent pas au groupe des PA pour être dispensés de Tourmont Masrot, puisque c'est une mauvaise PA. Ils n'appartiennent pas non plus au FKR, puisque ça n'a pas été donné pour les riches, ça a été donné que pour les pauvres. Donc c'est imposable de Tourmont Masrot. Vous avez compris l'idée? On y reviendra lorsqu'on arrivera à la fin de la Mishnah. C'était nécessaire de vous faire toute cette introduction pour qu'après, je peux vous exposer maintenant les trois avis de la Mishnah. Ça va être un petit peu plus compliqué. Mais pour le moment, je vais traduire les trois cas de la Mishnah, les trois avis de la Mishnah. Après, on va faire de l'ordre. Il y a deux manières d'interpréter. Ça va être un petit peu complexe. Notnin PA mitrila tasadeh ou même ça. Première avis de la Mishnah me dit, sache que tu peux donner la PA depuis le début de ton champ ou même depuis le milieu de ton champ. Soit, il y a marqué dans le pasuk, ouv kutzrechem et ketzirar tzechem, l'otechale PA tzadecha l'ikto. La quête ketzirar l'otel la quête. Donc, ouv kutzrechem et ketzirar tzechem, lorsque vous ferez la cueillette de vos ktzirar tzechem, que vous ferez la cueillette. De vos fruits, l'otechale pea tzadecha l'ektor. Tu ne finiras pas, tu n'achèveras pas le coin de ton champ pour le cueillir, mais tu le laisseras pour le pauvre. Donc, au sens simple, la Torah m'a dit, tu laisses à la fin de ton champ la pea. Viens le premier de la Mishnah, me dit, bon, la Torah a parlé concrètement, tu le laisses à la fin, mais tu peux aussi le laisser au début aussi si tu veux. Il n'y a pas de problème. Genre, tu vas commencer, au lieu de commencer les trois premières rangées de ton champ, tu laisses les premières rangées, ce sera la pea, tu commences à faire du lin pour la suite. Ou bien même si tu veux, tu commences à faire. Tu avais 40 rangées, 60 rangées, c'est déjà. Tu avais 60 rangées, tu fais à la 29e, tu laisses la 30e, et tu continues à la 31e, et tu laisses une rangée en plein milieu de champ. Tu fais ce que tu veux. Tu peux la donner au début, au milieu, ou bien évidemment à la fin, c'est le sens simple du pasuk. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Shimon Omer, ou Bilvad Sheiten Besov Kashilur. Alors, Rabbi Shimon me dit attention, à condition que tu laisses à la fin, la quantité requise. Phrase un peu floue qui peut être interprétée de deux manières. Pour le moment, je vais prendre une certaine interprétation qui me dit, à condition que malgré tout, tu laisses, si tu veux, une première rangée de PA, mais à condition qu'à la fin, tu vas laisser quelque chose qui va compléter la PA. Soit, Rabbi Shimon te dit en fait, le pasuk il a parlé au sens simple que tu laisses la PA à la fin de ton champ. Tu peux laisser, si tu veux, la PA au début de ton champ, mais à condition que lorsque tu arrives à la fin de ton champ, tu laisses un petit quelque chose qui va compléter la paire. Si toutefois tu n'as rien laissé, c'est plus la paire. On va expliquer après quoi exactement. D'accord? Ça c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, non attention. Im Shier, Kelach Echad, Somech Lo Mishum Pea. Rabbi Shimon nous dit attention. Même si. Et Rabbi Yehuda vient me dit, apparemment, quelque chose qui ressemble beaucoup à Rabbi Shimon, dont la complexité de la Mishnah. Rabbi Yehuda me dit, Im Shier, Kelach Echad, Somech Lo Mishum Pea. Si toutefois tu laisses à la fin même une seule botte, un kelach, une seule racine, un seul épi, alors somerchlo mishum pea, ce sera une bonne pea. Vimlav enonoten ela mishum efker. Et sinon, tout ce que tu as donné, c'est que pour efker. Bon, je refais un petit peu d'ordre pour expliquer de manière pragmatique un petit peu ce qu'il y a dans notre Mishnah. Après, on va entrer dans les deux interprétations, comment expliquer cette marloquette. À savoir, je veux laisser la pea au début de mon champ. Le premier avis me dit, parfait, tu laisses au début de ton champ. Bien, Rabbi Shimon me dit, attention, tu es obligé de laisser à la fin de ton champ quand même le complément de la PA. Et Rabbi Yehuda vient me dire, apparemment la même chose, il me dit, tu es obligé de laisser à la fin de ton champ, même un petit quelque chose pour compléter la PA, sinon, ce que tu as donné, ça devient FKR. Donc on a deux manières, comment interpréter cette discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. C'est-à-dire, le principe général, il est relativement simple. On a compris, on veut que, selon Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, il faut qu'à la fin il te reste de la PA. Sinon, t'es encore imposable de PA. Alors, en fait, je le dis tout de suite. Selon Rabbi Shimon, en fait, il faut, si il y a deux manières, le partenariat pour première interprétation fondée sur le Yerushalmi. Qu'en fait, en réalité, Rabbi Shimon, il veut qu'à la fin, tu laisses le 60e. Soit, Rabbi Shimon me dit, tu sais, en réalité, la PA, c'est un 60e, mais t'es pas obligé de donner qu'un 60e. Tu peux donner même beaucoup plus. Donc si tu veux laisser une rangée au milieu, c'est un statut de PA, mais lorsque tu arrives à la fin, tu laisses un 60e entièrement, intégralement. D'accord? Si tu n'as pas laissé un 60e à la fin, ce que tu as laissé, ça a quand même un statut de PA, mais tu es encore imposable de donner la PA. Donc maintenant, tu as cueilli tous tes fruits, puisque tu étais imposable de PA, tu n'as pas donné, tu devras donner la PA maintenant des fruits que tu as cueillis.
On apprendra qu'est-ce qui se passe, quelqu'un qui a tout le cueilli son champ sans avoir donné de PA, il est imposable de donner la PA une fois qu'il aura cueilli les fruits, il restera un 60e des fruits cueillis. D'accord? Selon ce principe, bien Rabbi Shimon me dit, tu sais quoi? Tu peux, si tu veux, tu peux, ce que tu laisses au début, c'est un statut de PA, il n'y a pas de problème. Ça appartient aux pauvres, c'est un statut de PA, que si les pauvres viennent prendre, ce ne sera pas imposable de ton automasserot, parce que c'est un statut de PA. Mais pour t'acquitter, toi, de ton devoir de PA, tu es obligé de laisser à la fin de ton champ un 60e. Et si tu n'as pas laissé un 60e, tu n'es pas encore quitté ton devoir, tu devras compléter. Mais ce que les pauvres ont pris, ça a quand même un statut de PA. Bien Rabbi Yehuda me dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Rabbi Shimon. Ça suffit même que tu laisses même un seul épi, une seule germe dans le sadé. Même, ça suffit. Tu fais un 60e, plus le petit chouïa que tu as laissé à la fin, le petit quelque chose que tu as laissé là-bas à la fin, ça marche. Mais si tu n'as rien laissé, tout ça, ça n'a pas un statut de PA. Et si ça n'a pas un statut de PA, ça prend un statut de FKR. Et donc, soit tu l'as donné pour les riches comme pour les pauvres, et si tu ne le laisses pas pour les riches comme pour les pauvres, mais tu le laisses que pour les pauvres, dans ce cas-là, les pauvres sont imposables de Troumot ou Maasrot. Vous avez compris, ça devient un petit peu compliqué. Ça veut dire, je reprends, on est dans la première interprétation du Barthénora, que, selon Rabbi Shimon, il faut que tu laisses à la fin de ton champ un 60e entièrement, et ce que tu as donné, ça aura un statut de PA aussi, mais tu es obligé de laisser un 60e. Et si tu n'as pas laissé un 60e, tu es encore imposable de ta PA. Mais ce que tu as laissé, c'est une super PA. Et si tu n'as rien donné à la fin aussi, ce que tu as laissé, c'est une PA, donc ça veut dire que les pauvres qui cueilleront de là-bas n'auront pas besoin de prélever ton automasserot. Mais toi, tu prends tes fruits maintenant dans ta grange, tu laisses un 60e parce que tu n'as pas encore laissé la paix à la fin de ton champ. Ça, c'est Rabbi Shimon. Bien, Rabbi Yehuda me dit non, tu n'es pas obligé de laisser un 60e à la fin, ça suffit de laisser un petit quelque chose. Donc, Rabbi Yehuda, apparemment, il est plus Mekel, mais il a aussi une autre Omra, parce qu'il va me dire, mais attention, si tu n'as rien laissé, tout ce que tu as donné, ça n'a même pas un statut de PA, c'est un statut de Hefker. Donc, si c'est un Hefker, soit tu as laissé les riches cueillir, mais si tu as laissé que les pauvres cueillir et pas les riches, les pauvres sont imposables de donner à la Troumot ou Maasrot de ce qu'ils auront cueilli. Fin de la première manière d'interpréter la Machloket. Selon Barthénoir, regardez, on dit bon, Matri ou Bivachi, Ten Besor Keshiur, c'est expliqué là-bas. Maintenant, le Rambam, il a une autre explication que c'est très proche, de toute façon, sauf que d'après Rabbi Shimon. Attendez, j'ai inversé les virgules, une seconde. Je me suis trompé. Ce que je vous expliquais, c'est selon le Rambam. D'accord? C'est la deuxième interprétation selon le Rambam. Que d'après Rabbi Shimon, il fallait laisser un 60e entièrement. Selon le premier avis du Barthénora qui est fondé sur le Yerushalmi, j'ai inversé le cas, les explications. Selon le Rabbi de Yerushalmi, non, c'est pas comme ça. D'après Rabbi Shimon aussi, il ne te demande pas de laisser un 60e. Pas du tout. Il faut laisser le complément. Et l'unique qui a marqué entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, elle est sur ce point-là, que selon Rabbi Shimon, ce que tu as donné, ça a quand même un statut de PA, même si tu n'as rien laissé. Selon Rabbi Yehuda, si tu n'as rien laissé, ce que tu as donné, ça n'a pas un statut de PA, c'est un statut de FKR. Si c'est un statut de FKR, alors là, on va s'intéresser à savoir, est-ce que tu as laissé les riches cueillir ou non? Sinon, eh ben, c'est imposable de Troumot ou Maasrot. C'est l'unique marloquette. Donc je reprends maintenant. J'ai inversé les cas, mais c'est pas compliqué. On a donc, d'après Tanakama, d'après Tanakama, ce que tu laisses au début, c'est un statut de PA, tu n'as pas besoin de rien laisser. Selon d'après Rabbi Shimon et d'après Rabbi Yehuda, ce que tu laisses au début, ça peut avoir un statut de PA, mais à condition que tu n'acquittes pas entièrement ton devoir de PA. Alors, interprétation maintenant, selon les Yerushalmi, il faudra, d'après tout le monde, il faudra que tu laisses de quoi compléter à la fin. Et là, l'unique marloquette dans Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est si tu n'as rien laissé. Est-ce que ce que tu as donné, ça a quand même un statut de PA ou pas? Selon le Rambam, ça change d'interprétation. Selon Rabbi Shimon, il faut que tu laisses à la fin un 60e. Mais ce que tu as donné, ça a quand même un statut de PA. Selon Rabbi Yehuda, tu as besoin de laisser un 60e. Mais ce que tu as donné, ça n'a pas de statut de PA si tu n'as rien laissé à la fin. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Vissera.